Alors moi, je veux qu'on rise parce à la course changer le monde parce que c'est un événement éco-responsable. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. C'est toutes les mesures qui ont été prises. Je trouve que ça fait carrément changement des autres courses. Puis moi, c'est ça beaucoup qui me tient à cœur. Je trouve que c'est important de courir pour sa santé, mais aussi courir pour la santé de la planète. Donc voilà, moi, je tiens à encourager ces événements-là. Bravo! Et moi, j'ai couru toute ma vie. Ça fait plusieurs années que je cours. Et maintenant que j'ai des jeunes enfants, je trouve que c'est une belle habitude à leur montrer d'être actif et d'être en plein air. Qui va courir son autre trois enfants parce qu'ils aiment l'environnement. Moi, je vais courir pour l'éducation à l'environnement et à la consommation responsable parce que vaut mieux prévenir que guérir. Plusieurs années que je participe à des événements sportifs, marathons, demi-marathons, des courses à obstacles. Et au fil des années, j'ai constaté à quel point ce ne sont pas des événements éco-responsables. Il y a généralement pas de recyclage, pas de compostage, on produit beaucoup de déchets, beaucoup de produits promotionnels. Alors, ce qu'on veut faire avec cette course-là, c'est montrer qu'on peut faire des événements sportifs, qu'on peut inviter des gens, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes à participer à des événements, mais en réduisant notre empreinte environnementale, en faisant donc des événements de plus en plus éco-responsables. Et c'est aussi une occasion pour Équiterre de ramasser des dons pour pouvoir participer à toutes sortes d'autres activités pour protéger notre petite planète.